Qu'est-ce qui va se passer, tiens, pour cette nouvelle lune qui va se passer le lundi 13 novembre? Alors, sur les coups de midi, pas mal de planètes dans le scorpion, puisque la nouvelle lune aura lieu en scorpion. Il va y avoir une triple conjonction entre le soleil, la lune, hein, et Mars, et je vais venir après. Alors, les troisièmes décans des scorpions vont être le plus impactés, hein, par cette nouvelle lune. L'éclairage, hein, de vos ressentis, la lune, hein, c'est ce qui vous remonte, ce qui vous revient, c'est vos intuitions aussi, de voir clair dans certaines choses, d'éclairer des parties un peu sombres, hein, que ce soit au niveau professionnel ou tout domaine, hein, pouvoir repartir sur quelque chose, remettre des choses en place, arriver à, voilà, à rééquilibrer les choses, à repartir. Donc, très bon pour vous les signes des scorpions, les poissons, les cancers, les vierges, les capricornes, vous allez pouvoir profiter de cette nouvelle lune. Mais attention, Mars est avec, c'est avec le soleil et la lune. Dans un cas comme ça, Mars, c'est la guerrière, c'est la combattante, c'est l'énergie qu'on met pour pouvoir arriver justement à éclairer les choses, à pouvoir enlever ces zones d'ombre. Mais cette triple conjonction peut montrer aussi une certaine impatience, l'irritabilité, ou de vouloir précipiter les choses avec Mars. Donc, surtout qu'elle est, comme vous le voyez sur ce thème de cette nouvelle lune, en opposition avec Uranus, qui est en taureau. Uranus, c'est simplement la vitesse d'exécution. C'est d'aller vite. Et cette opposition avec ce taureau peut montrer vraiment cette impatience de faire les choses trop rapidement. Alors, Jupiter est en taureau, pourrait calmer un petit peu ces choses-là. Alors, si c'est maîtrisé, bien sûr, et scorpion, poisson, cancer, vierge et capricorne, vous allez pouvoir arriver à avancer. Attention à ceux qui vont être en carré. C'est des angles qui sont très costauds. Les deuxièmes, troisièmes décans, des taureaux, scorpions, c'est pour ça que vous avez intérêt de maîtriser cette nouvelle lune. Et pas que, parce que les Verseaux et les Lions, vous risquez d'être impactés par celle-ci, mais pas dans le bon sens du terme. Donc, à cette nouvelle lune, le lundi 13, et pendant 2 jours, il va falloir rester zen, tranquille, serein, pas précipité, pas tout détruire non plus, avec une impatience et l'énervement. Il va falloir vraiment prendre du recul. Mercure. Le lundi 13 sera dans le signe des Sagittaires. La communication est très bonne dans un signe des Sagittaires. C'est d'avancer, c'est de poser cette communication, les échanges. Puisque le Sagittaire est quand même un signe qui est franc, honnête. Mais la franchise peut être un peu trop rapide, peut être trop tranchée. Tourner sa langue dans sa bouche, des fois, serait mieux. Et y réfléchir avant de se lancer. Donc, à un moment donné, il va falloir regarder ce qui va pouvoir se faire au niveau de vos avancées par cette communication. Le seul problème qui peut se poser, comme je vous l'ai dit, si cette communication n'est pas réglée et n'est pas régulée, attention comment ça va être communiqué, attention ce que vous risquez de dire. Et tout ça va être pour les Sagittaires, les Lions, les Béliers, les Balances et les Verseaux. Attention les Gémeaux, rien de trop grave, vous êtes en opposition, et donc dans ce cas-là, vous pourriez vous disperser dans cette communication, vous ne pourriez pas cibler certaines choses. Je vais continuer par la Vénus qui est en Balance, elle est à la place où elle est bien cette Balance, hein, cette Vénus en Balance, c'est sa planète d'ailleurs. Donc c'est l'harmonie, l'amour, trouver des points de concordance au niveau du charme aussi. Et ça peut être bon pour vous les Balances, les Gémeaux, les Verseaux au niveau de l'amour, ainsi que les Lions et les Sagittaires. Neptune et Saturne sont dans le Poisson. Très bon pour vous, hein, pour justement remonter les choses, surtout que on parle de ce nouveau redémarrage, de cette nouvelle lune, de remettre des choses en avancée. Très bon pour vous les poissons, les cancers, les scorpions, les taureaux ainsi que les capricornes. Mais attention vous les sagittaires, je le répète encore une fois, Saturne est
forme vraiment un aspect qui n'est pas bon pour vous. Mercure carré avec vous, avec Saturne. Donc, attention à la communication, ce que vous voulez mettre en place. Saturne et le temps et Chronos vous demandent de positionner les choses les unes derrière les autres et de ne pas vous précipiter dans votre communication. Peut-être que des fois des messages auront du mal à passer. Donc, allez, patience, on essaye d'analyser, de bien poser les choses. Pluton est encore dans le signe des Capricornes, très bon pour vous. Alors là, c'est la régénération, hein, on redémarre sur les nouvelles choses hein, pour vous les Capricornes. Pluton va changer de signe, je le répète encore, le 20 janvier. Donc, on est sur les troisièmes des camps. Donc, les Capricornes, les Taureaux, les Vierges, les Poissons et les Scorpions. Et ben voilà, vous pouvez vraiment avancer sur ce qui peut vous vibrer pour vous. Alors, on n'oublie pas hein, qu'on a quand même les nœuds lunaires. Alors, les nœuds lunaires nord se trouvent dans le signe des Béliers. Ça tend à aller de l'avant, ça tend à avoir cette énergie d'aller de l'avant aussi. Mais de l'autre côté, le nœud lunaire sud est sur les choses qu'on doit laisser. En balance, c'est peut-être aussi ce qu'on doit laisser, c'est le déséquilibre, la désharmonie. Et toujours d'avancer dans quelque chose de nouveau, vu les deux lunaires qui sont là en ce moment, et cette nouvelle lune, qui, pour certains, va être très bonne, mais je le répète, faites attention à cette triple conjonction, soleil, lune, et donc Mars. À très bientôt avec moi sur Dôme Voyance, et si vous avez besoin de mes services, vous savez où me trouver, tout est marqué sur la vidéo. Ça tombe.